Oui, le numérique existe bien, il est matériel et immatériel, il est toujours avec nous, c'est à la fois les câbles, l'infrastructure, les gadgets, les objets qu'on utilise, les ordinateurs comme les smartphones, et en même temps, c'est le nuage, comme on dit aujourd'hui. C'est le triomphe de l'hybride, c'est à la fois le dieu caché de notre société, mais à mon avis, il est toujours présent et visible, et bien presque à tel point qu'il est devenu quasiment transparent, à cause des humains qui l'utilisent sans cesse et tout le temps, que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans les classes pour enseigner, ou bien pour apprendre, ou bien dans les milieux professionnels, ou même dans le lit, quand on consulte les infos tard ou on répond à certaines notifications. Par contre, ce qui est peut-être important avec cette dimension, c'est à la fois la miniaturisation qui nous a fait oublier la présence immense et matérielle énorme, que ce soit des serveurs qui existent partout, qui font tourner toute la machine, et c'est cette dimension de presque de contradiction, de tension entre à la fois une dimension industrielle extrêmement puissante et très très lourde, et qui est davantage invisible, et qui nous donne l'impression qu'on est dans une société où tout est acte de communication. C'est peut-être ça qui distingue aujourd'hui, je dirais, le numérique dans cette nature qui est à la fois flottante et pas tout à fait facile à saisir d'une manière précise, localisable, parce qu'elle est un peu partout.